Salut tout le monde, cette fois-ci on va donc voir sur Blender 293.2, hein, toujours pareil la version LTS, on va faire en sorte de voir ce qu'on appelle le nœud Point Distribute. Donc déjà je vais supprimer mon cube et vous allez voir que par rapport aux différents éléments, alors comme je vous ai dit, je vais aller tranquillement, je ne vais pas du tout complexifier la chose, je complexifierai la chose au fur et à mesure. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que par rapport aux différents nœuds que je vous explique, c'est faire des expériences pour que vous puissiez voir par vous-même que vous allez pouvoir mélanger cela. Et faire des choses de plus en plus intéressantes. Alors ici, je vais faire un Shift A et je vais mettre une grille. Là, je vais faire en sorte de faire S, faire quelque chose comme ça, et on va faire euh, un subdivide. Ensuite, je vais faire un Ctrl A et appliquer les transformations pour que si j'appuie sur N, j'ai bien ici au niveau de l'item par rapport au scale à 1. Sinon, je serai à une valeur différente. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appuyer sur le module ou l'onglet Géométrie Nodes. La dernière fois, je vous disais que ça c'était à titre d'information, mais je m'aperçois que au fur et à mesure que j'apprends euh, ce module, il y a énormément de choses en fin fait, compte qui sont plus que des informations. Vous verrez, je vais vous en parler tranquillement. Alors, ce qui va m'intéresser à faire, c'est d'utiliser donc ici cet élément-là. Qu'est-ce qu'on sait faire à l'heure actuelle Si je fais Shift A, qu'est-ce qu'on a vu ensemble On a vu quoi On a vu la géométrie. On a vu donc le Joy Géométrie. Je le prends. Ensuite, ici, on a pris quoi On a pris le transform. Je le prends aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu au niveau de point on a vu ici ce qu'on appelle le point instance. Je le prends aussi. Ce qui va m'intéresser, c'est quoi C'est tout simplement récupérer un autre nœud, si je fais shift A, qui va s'appeler point distribute. Donc je vais le positionner comme ça, vous allez voir que de suite on a quelque chose de très intéressant qui apparaît ici. Penchons-nous un peu sur cet élément. Ici vous avez donc le random. Le random ça veut dire aléatoire. Ensuite vous avez poisson disque. C'est assez drôle quand vous écoutez les autres personnes qui parlent, que cela soit des, donc des étrangers comme des Anglais ou même des Allemands. Ou... J'ai essayé différents types de vidéos pour voir un peu tout ce qu'on m'explique par rapport à ce nœud. C'est assez drôle de voir quand ils le disent ça parce que c'est vraiment typiquement français. Bon, c'est une petite aparté, mais je trouve ça marrant. Ici, vous avez la densité. C'est que là, vous voyez, en fin de compte, si vous augmentez au maximum, vous allez tout simplement redessiner votre géométrie. En l'occurrence, vous allez redessiner la forme de votre objet. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir un petit peu avancer. Ici, le seed, ça va tout simplement distribuer de manière aléatoire. Ça, vous le retrouvez très souvent dans différents éléments. Si par hasard vous voulez revenir, alors là c'est une valeur assez facile, mais vous voudriez revenir à la valeur par défaut, vous cliquez ici, vous le sélectionnez, ce champ, bouton droit de la souris, et vous allez cliquer sur Reset to Default Value. Automatiquement, il va revenir à la valeur par défaut. C'est pareil ici, si je fais ça, vous allez voir que, voyez, il revient là directement à 0. Donc là, je fais en sorte d'augmenter et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant On va mettre le Point Instance. C'est ce qui m'intéresse puisque j'aimerais en fin de compte remplacer, comme je vous ai expliqué, hein, là je monte la petite vignette, j'aimerais remplacer celui-ci par un objet. Alors c'est vrai que je n'ai pas encore créé mon objet. Donc on va le créer ici. Shift A. On va mettre un cube. Ça me paraît pas mal. J'ai X. On va le positionner ici. On va se mettre ici en mode édition. Un peu diminuer celui-ci. Comme ça, ça m'évite de faire un scale. Et on va lui appliquer un modifier de type bevel. Là, c'est bien trop important. On va diminuer celui-ci au niveau de Amount, puis derrière la quantité. faire quelque chose comme ça. Et on va mettre trois subdivisions. Ensuite, je vais faire un Shade Smooth. Ce que je pourrais faire aussi, c'est l'aplatir. Dans ces cas-là, j'appuie sur 3. Pour être en vue de face. Hein. J'ai Z. Et je vais faire quelque chose dans ce style-là. Ça fait une espèce de petit galet, on pourrait dire. Alors après, on pourrait faire évidemment plein de choses. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois, je vous explique des choses très basiques. Bien entendu, au fur et à mesure. Je vais corser la chose. J'ai fait plein de tests. J'ai fait plein plein de fichiers de partout. Et je vous montre tranquillement les choses. Donc là je vais revenir au niveau de géométrie node. Et on va faire en sorte de continuer. Donc on va mettre ici point instance, On le met ici. Lui il n'a pas d'objet pour l'instant. Alors vous avez deux solutions. Comme je vous avais expliqué. Soit l'objet soit la collection. Moi je vais prendre juste mon objet qui s'appelle cube. Vous voyez ce qui est génial déjà. C'est qu'automatiquement il m'a remplacé. C'est pour ça que je vous ai expliqué au tout début de ma vidéo. Là je vous montre la vignette. Qu'il fallait absolument comprendre que... Celui-ci va vous euh, remplacer votre objet par le petit point, en gros par rapport à cette forme. Imaginez ici, vous auriez pas une grille mais un seul point, bah, vous auriez automatiquement qu'un seul objet. Par contre, lui, en fin de compte, va dupliquer chaque objet par rapport à chaque point de votre forme d'origine, bien entendu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant bah, Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est à la fois mes espèces de galets qui sont ici, mais aussi tant qu'à faire ma géométrie, c'est-à-dire ma grille que j'avais d'origine. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire Je vais positionner celui-ci à cet endroit-là, me mettre à cet endroit-là, lier entre lui et lui, et vous avez maintenant la grille qui apparaît ici. Ce n'est pas encore ça. Évidemment, il y a plein de techniques. Hein. Alors pour ceux qui connaissent les, la géométrie node, vous allez me dire, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je vous explique par rapport au peu de nœuds que j'ai, et au fur et à mesure, on va corser la chose. On va prendre donc le transform, on le met ici. Vous allez pouvoir par rapport ici à mon scale faire une homothétie sur mes galets. Ce que j'aimerais, moi, c'est d'avoir directement une seule valeur. Dans ces cas-là, je vais faire ici shift A. Je vais mettre par rapport à input, je vais mettre value. Ça, vous connaissez. En tout cas, pour ceux qui font, qui se travaillent avec le module shading, on les voit très souvent. Et je vais tout simplement mettre lui ici. Comme ça, je vais pouvoir modifier mes valeurs, voyez, directement. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire Je vais vouloir ici modifier ma valeur au niveau de ma translation, en l'occurrence Z. Et je mets comme ça. Ce que je ne vous ai pas encore expliqué, donc je vais revenir sur le distribute, c'est que là, on est en random. Le problème du random, comme vous pouvez voir, c'est qu'il va distribuer de manière aléatoire, mais le souci, si je zoome bien, c'est que tout le monde est complètement entrelacé. Ce n'est pas très professionnel, enfin, c'est pas terrible. Quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement cliquer sur Poisson Disque. Qu'est-ce qu'il fait bah déjà, vous avez une deuxième case qui apparaît. Vous avez, plus, vous avez la densité et euh, la distance. Donc, je vais essayer d'agrandir pour qu'on puisse mouvoir ce qui est marqué. Distance mine et densité max. La distance mine, en fin fait, de compte, va tout simplement réduire le nombre de vos éléments. Vous voyez C'est qu'il fait en sorte, et ça c'est vraiment génial, il fait en sorte de pouvoir. On, on voit bien que là, il n'y a plus du tout. Alors, il y a moins d'éléments, je vous l'accorde, mais ce qui est génial, c'est qu'ils ne sont plus du tout. Euh, comment je pourrais vous dire ils sont plus entrelacés. Donc ça c'est cool. Vous allez pouvoir augmenter ici la densité. Et vous voyez que ils ne se s'entrelacent pas. Si évidemment vous diminuez celui-ci, ça va recommencer. Vous allez pouvoir diminuer si vous voulez et ainsi de suite. Il y a une autre information que je vous ai pas encore parlé et on y reviendra, c'est ici. Ici, vous voyez, on a marqué alors, face, matériel, index, radius et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ça Ça veut simplement dire que vous avez ce qu'on appelle un attribut. Je vous avouerai que au début, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un attribut. Pourtant, au niveau du module shading, on le voit très souvent. Je n'avais pas bien compris. Je vais être avec vous. Hein. Et enfin, fin de compte, ici, vous allez pouvoir mettre différents attributs. Par exemple, pour y mettre la rotation. Donc là, malheureusement, il ne va plus rien se passer. Pourquoi Parce qu'il faudrait mettre un autre élément pour modifier celui-ci. Et si on met le scale, on va taper SCALE. Là, c'est pareil, il ne va rien se passer tant qu'on ne met pas un autre euh, élément. Ce que je veux simplement commencer à vous montrer, c'est qu'on va pouvoir mettre ici des mots-clés qui, qui vont permettre de modifier celui-ci au niveau de sa, sa dimension, sa rotation et ainsi de suite. Et c'est là-dessus que je voulais en venir, ce qu'ici, rappelez-vous qu'on a ici les points qui sont de chaque élément, d'accord Avec x, y et z, mais on a aussi des éléments comme la rotation. La position, donc ça sera, le mot-clé sera rotation, position, scale. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Ce que l'on pourrait faire, par exemple, pour un petit peu avancer la chose, c'est aller ici. Je ne vais pas aller très loin. On va aller ici. On va mettre, par exemple, une texture de type cloud. Je vais faire en sorte, au niveau de ma couleur, de mettre en color ramp, mettre un petit color ramp différent pour avoir, quelque chose, avoir un contraste un peu plus intéressant. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre ici un modifier de type Displace. Vous vous doutez bien ce que je vais faire. Je vais récupérer tout simplement ici ma texture, qui va me permettre de donner quelque chose d'un peu plus euh, violent. Alors là, ça ne va pas, donc on va diminuer. Vous voyez, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Mais là, bien évidemment, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de maillage. Même si je fais un shed smooth, ça ne va pas être terrible. Donc là, il y aurait d'autres solutions c'est de revenir sur ma node. Donc je vais revenir au niveau de l'onglet Layout. Et vous allez voir que si je vais sur Géométrie node, on n'a plus rien qui s'affiche ici. Vous voyez C'est bizarre. Hein Même si je vais ici, donc je vais sur mon cube, je viens sur ma grille, rien ne s'affiche. Ça, c'est une chose très importante, c'est qu'en fin de compte ici, vous êtes sur le modifier Displace. Donc on va aller tout simplement cliquer sur lui. Il ne se passe rien. Si je clique ici, là vous avez activé la géométrie node. Vous faites attention parce qu'à des fois je ne comprenais pas, je dis, mais n'est pas possible, ils ont disparu, pourquoi et ainsi de suite. Pas bah, parce que tout simplement vous avez ce genre de choses. Ce que je vais faire maintenant, parce que je voulais vraiment vous montrer le poi distribute comment il fonctionne, je vais un petit peu vous montrer les exemples que j'ai créés. Voilà un exemple que j'ai créé. Alors là, si vous pouvez voir, j'ai fait pareil. Je me suis pris ici un distribute, j'ai pris ici un point instance et j'ai pris ici un transform. Vous voyez, c'est pareil avec un géométrie, c'est exactement pareil, sauf que au lieu de prendre des cailloux, bah, je vous ai pris de l'herbe. Et c'est assez sympathique, parce que quand on regarde ici, au niveau de ma collection, alors là aussi, chose à savoir, puisque c'est un modifieur, on peut aller ici, au niveau des modifieurs, et cliquer tout simplement ici. Dans ces cas-là, on voit que nos fameux points d'herbe, alors je vais cacher lui aussi, parce que j'avoue qu'on ne voit pas bien, voilà. Et vous voyez, j'ai tout simplement dessiné quelques brins d'herbe, de différentes couleurs, J'en ai créé une collection, vous la retrouvez ici, et vous avez donc le Nerves Curve. Donc ça y est, j'ai fait ça en fin de compte. Hein. Je ne les ai même pas transformés en mesh. Euh, si, pardon. Ah, si, si, excusez-moi. Je les ai transformés en mesh parce que sinon ça ne fonctionne pas. Il me semble bien. Euh, oui, parce que là, c'est un... Oui, suis en train de me dire... Oui, oui, parce que... <laughs> vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à connaître et à comprendre. Alors, ce qui est génial, c'est que la géométrie node, on va pouvoir évidemment lier ça à plein de choses. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore vu les particules, mais ça va être génialissime. De plus, j'ai fait en sorte d'avoir une bécane de plus en plus puissante. Donc là, je vais pouvoir vraiment me régaler et vous faire des, des, des super démos. Voilà, donc un exemple de ce que l'on pourrait faire, par exemple, au niveau... Alors, je vais remettre le modifier. Hop, voilà. Voilà. voilà donc un exemple que l'on pourrait faire. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait mettre une rotation, un scale, parce que là, si vous regardez bien, il est, il est à la même taille. Donc je peux comprendre que les personnes à chaque fois se disent oui, mais là, bon, ok, c'est facile à faire. Ben, moi, j'ai un peu galéré au début, parce que je ne comprenais pas. Donc j'apprends chaque élément tranquillement et au fur et à mesure, ben, j'avance pour vous montrer des trucs de plus en plus complexes. Comme je dis, je regarde beaucoup de vidéos. Quelle que soit la langue, ça c'est pas trop important. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Et des fois, ben, grâce à une vidéo en russe, ou je sais pas, moi en chinois, fois, ou en hindi, ça m'a permis de comprendre une subtilité. Parce que c'est si très souvent une subtilité, par exemple ici, surtout au niveau des attributs, quand je vais commencer à vous expliquer cela, vous allez voir que, waouh, c'est un peu le même principe que le nœud mathématique, où celui-là, des fois, ben, on s'arrache les cheveux à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Voilà, bon, ben, écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye